Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Age of Mythology Extend Edition pour l'épisode 9. Donc on va aller dans la campagne. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait terminé le chapitre Le Sommeil Léger, du coup on va entamer le conflit et normalement vous devriez tilter d'un petit détail. Il y a une flèche qui se déplace, mais c'est bizarre. En fait, c'était surtout bizarre qu'on la voyait pas avant. Alors, je suis vraiment désolé, je m'en étais pas rendu compte. J'ai pas du tout fait attention à ce détail. Je regardais vite fait les captures pour voir s'il y avait pas de bug. Mais j'ai pas du tout pensé à ce fameux curseur. Et en fait, vu que j'utilise Shadowplay, le système de Nvidia, pour capturer, je pensais que ça capturait tout, en fait. Et en fait, ça capturait pas le curseur. Et dans les paramètres, il n'y avait rien en lien avec ça. Il a fallu que je regarde sur Internet et apparemment, il y avait une petite technique comme ça où c'est un fichier qui modifie le registre, donc le registre Windows, pour que le curseur soit visible durant la capture. Donc je trouve ça hallucinant que dans le logiciel, tu peux même pas programmer afficher ou pas le curseur, comme la plupart des logiciels de capture, genre Fraps, ça marchait très bien, quoi. Donc je sais pas, bon bref, maintenant il est là, donc tant mieux. Donc désolé si vous l'avez pas vu avant, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, parce qu'il y a des fois j'ai expliqué des trucs et je l'ai montré avec la flèche, donc forcément vous voyez pas. Ça c'est un petit peu gênant, parce qu'après, bon, le reste, on voit les unités se déplacer, attaquer, tout ça, on voit les... en bas la barre de... avec les progressions de création de perso, les statistiques et tout, donc ça va, de ce côté-là c'est pas trop un problème, mais surtout quand tu veux montrer quelque chose avec une flèche, bah c'était dans le vent et je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, encore désolé. Donc voilà, on va lancer le conflit, donc qui est le chapitre 13. Donc les héros luttent pour amener la relique d'Osiris à la cité avant que Khemsit ne puisse l'amener à sa base. C'est parti. Il y a un dieu dans cette urne ? Une relique d'un dieu, Osiris. Seth l'a piégé avant de le tuer. Sa dépouille a été découpée et les reliques éparpillées dans les sables d'Égypte. Khemsit était sur le point de venir à bout de celui-ci. Si Osiris est mort, à quoi bon en posséder une relique? Ce n'est pas si facile de tuer un dieu. Osiris n'est pas tout à fait mort. Si nous reconstituons son corps, il revivra. Mais si Khemsit réussit à détruire une seule relique, tout est perdu. Du calme là-bas! Nous sommes tombés dans une embuscade. Apportez la relique d'Osiris à la ville! Arcanthos et ses hommes sont tombés dans une embuscade dans le canyon. Il faut les sauver. Faites vite! Levez rapidement une armée avant que Khemsit s'enfuit avec la relique d'Osiris. La relique d'Osiris est à nous maintenant. Ok, ça marche. Bon, dans un premier temps, déjà, on va sauvegarder d'avance. Hop. Parce que là, du coup, ça fait un petit peu comme la partie précédente. Il y a un délai, apparemment. Donc, c'est quoi le délire? Ok, ouais, ils ont tué tout le monde. Et Arcanthos, d'accord, il est KO aussi. Donc il va falloir envoyer des hommes. Bon, là, il y en a qui arrivent. Là aussi. D'accord. Bon, alors. Voyons voir ce que je peux faire ici. Bon, j'ai pas mal de ressources, donc on va créer pas mal d'hommes. Hop, on va préparer les corps d'armée. J'ai pas cliqué sur un autre bâtiment. Ça m'a mis 14 direct, comme si j'avais déjà cliqué d'avance. Alors, Méhar et Archie sur char, ça peut être pas mal. Hop. Arcanthos, n'oubliez pas de faire appel à vos pouvoirs divins. T'inquiète. Alors, comment ça se passe? Alors, elle est où la relique? Elle est là. Putain, faut que je me mène. Alors, qu'est-ce que j'ai comme truc? Vision, viser une partie noire de la carte pour la rendre visible un certain temps, ouais. Fléau des serpents, ça peut être cool pour les ralentir. Hop. Voilà, comme ça elle est à moi. Enfin, je la ramène. Prostagma. Ça, j'ai pas beaucoup de soldats, mais avec les serpents, ça va peut-être le faire. Pourquoi ils attaquent pas?
Ah, je peux pas les guider, c'est pas je croyais que c'était... C'était guidable, mais non, c'est pas automatique. Enfin, si, c'est automatique, pardon. Donc c'est pas moi qui gère. Voilà, parfait. Donc, normalement, il y a un truc pour protéger, je crois. Voilà, défendre un autre. Hop, voilà. Comme ça, il l'escorte et tout devrait bien se passer. U-E-R. Donc sûrement, ils vont envoyer des hommes pour nous casser la gueule, j'imagine. Alors, je vais regarder un petit peu les objectifs. Récupérer le chat de la relique d'Osiris, ramenez-le à votre cité avant que les mines s'en emparent. Alors, créer des unités aussi rapidement que possible, envoyez-la défiler, transformer... Bah, je pense que ça devrait aller, maintenant. Ah merde, quoique, ouais, s'ils envoient des unités rapides comme ça... Je sais pas si ça va être aussi, aussi facile. Ah, et puis ça se dépasse hyper lentement, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc ouais, c'est chaud. J'ai fait des archers sur char, normalement. Donc ça peut peut-être un peu aider. Enfin, j'ai peut-être même les isoler parce que... Quand ils sont en convoi comme ça, c'est comme d'habitude, ils s'adaptent à la vitesse la plus lente des unités de groupe. Et donc forcément, si tu prends des chevaux pour aller vite et qu'ils prennent leur temps, ça pose problème. Alors là, j'ai pas mal de reliques apparemment ici, j'avais pas remarqué. Est-ce qu'avec le pharaon, je peux les prendre? Je sais plus. Parce que sinon, ça serait l'occasion de les mettre bah, à l'abri au temple pour en profiter. Alors du coup, elle sert à quoi celle-là? Augmente l'attaque de Hopi des Myrmillons, ok. Vas-y. Voilà. Ça c'est quoi? Tarsia avec plus de points de vie, ok. Et ça. Relique, déplacement de la cavalerie, ok. Et là il y en a un autre aussi, j'aimerais bien essayer de le choper. Alors là apparemment ça bastonne. Ah c'était mes fameux serpents. Alors on s'est visé près d'une armée, machin. Hop. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Espèce de retour de momie, vous voyez, ils sortent du sol et puis ça permet d'aider un peu. Puis ça spawn beaucoup en plus, hein, quand on peut voir ça, c'est pas mal. Ils essaient à tout prix de forcer le passage, mais bon. Avec mes archers, je pense que ça devrait le faire. Je vais peut-être en créer d'autres, d'ailleurs, j'ai peut-être ramené là, les fameux crocodiles de 7. Pourquoi ça bug là? Ouais, parce que là, si les héros commencent à faire bugger, ça va pas le faire. Bim. J'ai one shot, ils ont plus de vie. Voilà, c'est bon, voilà, ils vont les attaquer. J'aime pas beaucoup ça. Restez en alerte. Alors, ils renvoient d'autres bonhommes. Et c'est. Armé de Kemsit, c'est quoi ça? Oh putain, ils ont mis là, quoi. Des Anubites, ok. Merde. Faut que je les stoppe le plus vite possible. Ah, c'est pas aussi simple que ça, parce que là je me suis dit, bon bah ça va, ça a l'air de gérer, mais en fait, non pas tant que ça. Allez, rentre au bercail, toi. Ouais, je pense que là c'est bon, je vais gérer. Les fameux Jira. C'est assez marrant ça. Bon, elle aura pas vécu longtemps, mais. Les animaux comme ça. Oh, les branleurs, là. C'est pas le moment de chômer. Toi, tu vas retourner là. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai récupéré, c'est quoi là? Augmente l'attaque des béliers, des behemoths et des scarabées. Ouais, mais j'en ai pas de scarabées, donc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est vite réglé. Je vais peut-être faire des fondeurs, je vais les améliorer d'abord. Parce que là, apparemment, ils sont pas prêts de s'en sortir. Hop. Alors, faut que je regarde, là, parce que c'est en train de partir en couille, on dirait. Non, ça va, j'arrive à tamponner, mais... Putain, ça galère, ils doivent la capturer, la redéfendre, etc. Donc ça... Ça tourne en boucle. Voilà, ça va, c'est que des petites unités. Ça peut passer. Hop. In wedge.
Hawk, faites entrer cette relique dans la ville. C'est notre seule chance. Bon, on y est presque. À moins qu'il fasse pop des saloperies juste là, ce qui est possible. Alors, j'ai de la bouffe et de l'or, mais le reste c'est moyen. Ah, revoilà des ennemis. Donc ça c'est OP. Ouais, ça marche. Encore quelques mètres. Mais elle se bloque facilement en plus, hein. T'as l'impression que c'est vraiment fait exprès pour faire dur au maximum. Mais là je pense que c'est dans la poche. Entio. J'ai pas vu qu'il y avait des bateaux au chômage, mais de toute façon. Je crois pas que ça me sera très utile maintenant. Voilà, nickel. Scénario suivant. Ça va, on s'est bien débrouillé. Isis entend ma prière. En quoi cet endroit est-il spécial? C'est le centre du royaume d'Osiris. C'est son palais. Maintenant, je dois apporter la relique à Setna. Setna est déjà notre hôte. Tout comme vous, conduisez-les en prison. Isis, entendez ma prière. J'ai été trahi par un serviteur de Set. Bénissez-moi et j'aurai ma vengeance. Ah ouais, ça va. L'Atlantéen et ses hommes ont été faits prisonniers. Vos alliés conseillent de faire diversion afin de vous infiltrer pour le sauver. D'accord, alors 2 minutes, parce que là, le temps que je capte la situation... Je vais regarder ça d'abord. Détruisez le bastion de Migdol de Gargaren 6, ok, mais j'ai pas de... Ah non, si c'est vrai, centre de la citadelle, c'est comme un forum pour les Égyptiens, j'avais oublié. Isis vous sourit à allez au monument voisin pour les rallier à votre cause. Alors, mes voisins, c'est qui? C'est les Verts, je pense. Ouais, ça doit être ça. Gereg. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des ressources dans le coin ou pas? Il y a de l'or là-bas. On va tenter de... de s'installer. Voilà. Alors, j'ai 214 de pop possible, donc là, je pense qu'on est bien. Enfin, après, faut que ça tienne la route derrière, mais... Voilà, quoi. Alors je vais faire d'autres villageois, parce que là je pense que il n'y a pas trop... Si, le bois encore, si ça va sur les côtés. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de bois, je crois, pour les fermes. Rappelez-vous que c'est de l'or qu'il faut pour les Égyptiens. Donc là, de l'or, je vais en avoir là-bas. Peut-être même faire l'amélioration pour aider un peu. Et envoyer d'autres villageois aussi, je pense aussi. Donc voilà, là je pense qu'on est bien. Ici, hop, on va faire cette amélioration, comme ça on aura des fondeurs lourds. Donc c'est la meilleure amélioration qu'on peut avoir. Au niveau des pouvoirs, du coup j'ai Eclipse, donc ça permet d'augmenter les attaques des unités mythologiques, ouais. Et viser près d'un bâtiment militaire de l'ennemi pour l'empêcher d'entraîner les troupes. Okay. Entio. Alors les chômeurs, au travail. Voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Hop. Donc, bon, voilà, on a une petite armée déjà, je pense que ça va bien nous aider. Mais je pense pas... Ah, il y avait déjà... putain, j'avais pas vu. Il y avait tellement de bâtiments, faut que je réapprenne aussi. C'est un petit peu comme Age of Empires, mais... Faut que je me réhabitue à chaque design de bâtiment pour savoir lesquels sont... Enfin, à quoi correspondent, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Travaux de siège, je construis des armes de siège puissantes. Alors, ça ressemble à ça, est-ce que j'en ai?
Ouais, j'en ai déjà. C'est mort. Voilà. Entio. Alors du coup, bah, je vais refaire une ferme. En attendant, on va dire que ça suffira. Alors, je vais faire une petite équipe de combat, là. Voilà. On est bien. Et après, je vais faire... Donc, les fondeurs, c'est du bois, surtout, et de l'or. Je pense que je vais un petit peu varier entre homme d'armes et fondeurs, parce que sinon, au niveau du bois, ça va pas le faire. Parce qu'après, ouais, c'est pas... Y a pas vraiment de zone de forêt, hein. On est en Égypte, quoi, donc... Ah, si, la remarque. Là, ça peut être pas mal. Entio. On va faire ça. Bah tiens, là aussi, il y en a pas mal. Io le faire. Inito. On va faire quelques bûcherons. Comme à la bonne vieille époque, c'est vrai que ça dans les jeux vampires, par contre, les bûcherons, ça y est, les gars. Quand on voulait farmer la déforestation, c'était bien. Donc ça, ouais, c'est Gargarensis, par contre. Donc je rappelle, détruire le bastion de Mingdol. Donc ça doit être ça que je dois détruire. Mais bon, là, ça m'a l'air d'être proche, mais... il doit y avoir une... Là, on voit un petit peu, je pense qu'il doit y avoir des falaises ou un truc qui fait qu'on est obligé de faire le tour. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Là, il y a tous nos unités en tôle, du coup. On est à quoi? Des vengeurs, les fameux, qui font très mal. Des hommes d'armes. Ajax qui est tout seul. Ok. Arcanto, ça va, il est avec 7 nains. Il peut se taper la discute, mais Ajax, lui, c'est... tout seul. Tant pis. Alors, les villageois amassent plus de bois rapidement, ok. On peut emporter davantage, ok, ça marche. Et ça, Bastet permet aux villageois d'abattre des arbres et d'amasser du bois plus rapidement. Ok, donc tout est bon à prendre. Je vais refaire encore quelques villageois. In what? Donc voilà, toi t'es quoi? T'es un prêtre ou... On dira un prêtre, je pense. Bah je vais le faire sur là-dessus, comme ça va créer les persos plus rapidement. Et la caserne, je vais aussi mettre un prêtre. Bah non, c'est pas un prêtre, bah c'est un héros, quoi. Héros qui donne du pouvoir à un nain, récupère les reliques et joue une grande... Ok. Ouais, je sais pas trop. Ah bon, voilà, en tout cas, il a des pouvoirs pour remonter. Le prêtre, il veut pas? Ah, il peut pas le faire, il me semblait. Bizarre. Ah oui, tiens, ça, je vous l'avais pas montré aussi. Les prêtres, ils peuvent créer des obélisques. Donc ça coûte... Ah merde, on m'attaque. Merde. Ah, c'était pas prévu, ça. Merde. Alors que je vienne défendre. Je pensais pas qu'ils allaient attaquer par là. Bon, après, c'était un petit peu à prévoir, hein, mais je me suis dit, bon, on va peut-être avoir la paix quand même. Mais... C'est un petit peu le bordel, ça. C'est le seul spot d'or en plus. Alors, l'éléphant de combat, par contre, c'est chaud. Ça va. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, des petits fondeurs à la con. Ah, il y en a d'autres qui m'attaquent d'au-dessus. Bon, c'est bon là, non? Je pense. Ok. Bon, j'ai peut-être devoir faire un peu de défense, du coup, on verra après. Au fur et à mesure. Alors, du coup, là, les villageois, c'était lesquels? Parce que j'aurais dit de bouger, mais finalement, je sais pas où ils vont aller, là. Qu'est-ce que c'est? Une armée qui menace nos murs? Ah. Oui, Cyclope. Get une armée d'Isis. In Wedge. At you. Alors, ils ont l'air d'être vachement puissants, les PT Soukous. Espèce de crocodile. In Wedge. Ia at you. Ia at you. Ah, je vais tout péter, là. Après, j'ai peut-être pas trop attaqué non plus, parce que je pense qu'ils vont ramener des renforts, ça va être chaud. Enfin, quoique, ils ont pas l'air d'être chauds, en fait. Ouais, c'est peut-être un piège, quand même.
Je vais peut-être battre un portrait. Parce que là, je me chauffe et tout, mais c'est peut-être faisable. Hein, mais je vais pas prendre de risque. Parce que rappelez-vous, il y a une mission il y a pas longtemps où j'ai voulu faire le show comme ça. Ça m'a pas du tout réussi. Donc, on va éviter. Putain, il y a encore des mecs là. Ils sont venus d'en bas, peut-être. Donc, du coup, ouais, par contre, tous les villageois là, ils sont au bout là. Ah non, il y a quelques chômeurs quand même. C'est pas le top ça. Peut-être faire une tour au pire. Ça coûte 200 d'or, c'est cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent de l'or avec les Égyptiens. Forcément, c'est un petit peu lié à leur culture parce qu'ils avaient beaucoup de choses en or et ils veulent le retranscrire dans le jeu, mais du coup, c'est pas forcément cool pour nous quoi. C'est un petit peu une galère à gérer. Ah, y a d'autres chômeurs là aussi. Donc là, je fais une petite tour, comme ça, ils pourront rentrer à l'abri, même si, bon, ça les aidera peut-être pas souvent. Si ça peut un petit peu aider. Alors, ce qui est cool, ouais, c'est que là, je peux soigner mes unités, ça, c'est parfait. Hein. Là, du coup, je perds pas d'unités. Enfin, j'en ai peut-être perdu une ou deux, mais la plupart se font soigner, donc c'est parfait, quoi. Donc voilà, j'attends de produire un maximum d'unités. Est-ce que je peux faire des améliorations? Allez, on va faire ça. Parfait, j'ai assez de ressources pour tout, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Péter sous cause, donc ça c'est ceux qui sont pas mal, mais putain ils coûtent vachement cher en or. C'est pas le même délire. Hein. Donc Hathor augmente la portée des pétés sous cause, d'accord. Bah Hathor c'est pas le mec qui est ici là. Enfin attends, c'est quel? Il est où? Je le vois pas dans ce bordel. Non, ça c'est Amon-Ra. Ah, il est là. C'est pas lui? Si, c'est ça. Accord. Accord ou Hathor? Attends, je regarde de nouveau. Ah non, c'est Hathor, pardon. Autant pour moi. L'idée d'avoir quasiment les mêmes noms, c'est un truc pour nous embrouiller, tu sais. Medjay, tiens. Hashtag Assassin's Creed Origins. Hathor augmente la durée de vie des mercenaires, d'accord. Ah, vas-y. Je vais faire quelques mercenaires, sinon ça va changer. Allez, là, faut produire à fond. Les fermes, ça va, ça tourne. Tranquillement, mais sûrement. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Putain, décidément. Hop. Tout le monde à l'abri. C'est reparti. Donc là, merci la tour, évidemment. Putain, il faut chier à vouloir m'attaquer. Bon, j'ai peut-être relancé la prod, parce qu'à chaque fois, c'est chaud. Ça reste quand même gérable. Allez, là, l'éléphant, faut le dégommer. Pas mal de points de vie, mais ça va, ça se gère. Parfait. Bon, je vais peut-être rester un peu là du coup, et au pire je mettrai ces unités là. Donc voilà, on va relancer une prod quand même. Voilà. J'ai pas de marché par contre, j'avais pas regardé tout à l'heure. Parce que je voulais regarder si j'avais un marché pour vendre un peu de bois. On va en créer un au pire. Tiens. Voilà. Ok, donc là il n'y a plus de bois, ça marche. Tant pis, vous allez aller de l'autre côté. Enfin, j'ai peut-être en mettre un ou deux quand même. Voilà. Alors, je vais ramener un prêtre pour re-soigner les troupes. Voilà. Ouais, donc ce que je voulais montrer avec le prêtre, vu que ça a été un peu le bordel, c'est qu'on peut créer des obélisques avec en payant 10 pièces d'or. Donc voilà, ça permet de créer des tours d'observation en fait. Donc ça n'attaque pas. D'ailleurs, il y en avait là. Hein. Enfin, non, ça c'est des obélisques. Mais... il me semble qu'ils en avaient. Bon, je sais pas. Et ça permet de, voilà, de voir. Voilà, je vais pas en faire une, hein, mais. Ça permet de voir les unités un petit peu qui passent autour. C'est pas du tout résistant comme truc, mais voilà, c'est plus stratégique en fait. T'en poses quelques-uns autour de ta base. Comme ça, tu sais d'avance si t'attaques ou quoi. T'es moins pris par surprise, disons. Bon, après, il faut regarder toujours la minimap aussi. Ça, c'est...
tu regardes pas la minimap, forcément, tu te fais surprendre. Et là, c'est vrai que depuis qu'on a commencé le... ce jeu, là, c'est pas... Je regarde rarement les minimaps, j'avoue. Mais c'était déjà... Ils sont vachement espacés, je trouve. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, toujours avec du bois, je pense que ça marche bien. De toute façon, là, je vais pas tarder à atteindre la limite de population. Toi, hop, tu mines. Donc, là, le bois, j'ai plus trop de bois avant, en fait. Finalement, j'ai créé le truc, mais bon, ça me sert plus trop, c'est pas grave. Du coup, apparemment, on peut aider les verts, c'est ça? Attendez, je regarde, vite fait. Attends, Isis convertit les temples et monuments d'Adinos dont la mandra s'approche. Servez-vous-en pour entraîner une armée d'unités mythiques et attaquer sans perdre un instant. Okay. D'accord. Bah, finalement, je suis équipé. On va rusher avec ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Puis je vais, je vais attaquer les deux côtés, comme ça, ça va foutre un peu la merde chez eux. Hop, on va péter leur tour. Merci. J'ai créé un autre, une autre armée. Voilà. Ah bah tiens, j'ai gagné des fameuses unités mythiques. Ça en fait partie, les scarabées. Ah là, ça y est, commence à sortir les grosses armes. Hop, à l'attaque. Prêtre aussi. Alors je vais utiliser l'ellipse pour améliorer les unités mythiques. Donc on voit le cycle jour-nuit, hein, avec les ombres et ça. Alors je sais pas trop si je gère la situation, j'ai du mal à voir le détendu du truc. Hein. C'est un peu le gros bordel. Ça, j'ai l'air de tenir la route quand même. Il faut plus que je focus sur les éléphants. On va essayer de péter rapidement la porte. Ah bah lui il passe à travers, ok, y'a pas de soucis, non. Ce que vous pouvez faire comme ça, ça éviterait de péter les portes comme ça. C'est plus rapide. On va envoyer quelques renforts quand même au cas où, même là si je me rapproche du tout. On ne sait jamais, il a peut-être des pouvoirs sous la main encore. On se méfie. Allez c'est parti. C'est pas mal les scarabées, hein. Stylé. Le bastion de Migdol est assiégé. Ah bah mince alors, mon pauvre. Nos défenses sont trop faibles. Que les gardes de la prison viennent aider ici. Amanra a détruit notre forteresse. Ramenez nos troupes en position défensive. Alors du coup, j'ai recréé toute une armée correctement. Voilà. Donc leur bâtiment, ouais si je vais peut-être les péter quand même, on ne sait jamais s'ils font pop d'autres unités. Au moins les académies, la base. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors j'ai regardé les objectifs, Amon-Ra doit atteindre le navire de transport. Et c'est ici, d'accord, ok. Ça marche. Bon, on n'est pas très long. Je vais continuer à créer des renforts quand même. Voilà. Et je vais les mettre tous là-bas par contre. Into you. Parce que sinon, à chaque fois, c'est un bordel. Ça marche. Donc, on va essayer de passer au plus proche. Ah, ils sont malins, ils attaquent à distance. Alors, la demoiselle, elle est là. Amon-Ra, votre moyen de transport pour entrer dans la prison est prêt. Alors, par contre, bateau oblige, je prends mes précautions. Comme vous le savez,
J'ai pas envie de la jouer en mode Titanic, ça serait un peu con. Alors, envoyer Amanra au port d'Avios pour former une flotte, d'accord. Allez, c'est parti. Je vais les mettre en mode défense. Hop, voilà. On va les laisser là en attendant. Alors, est-ce qu'il y arrive ça ? Elle se fait pas attaquer. Utilisez votre flotte pour faire pénétrer dans la prison. Ok. Into you. Hop, on va tous les ramener là. Alors c'est quoi comme navire? Barge de guerre, ok. Et des trucs de transport, j'espère. Ah voilà. Comme ça, je vais prendre toute mon armée et on va s'amuser. Alors lui, je sais pas d'où il sort. Un petit survivant. Putain, ils ont beaucoup de vie, les hommes scorpions. Ça, je leur fais que dalle comme dégâts. Chaud. Du coup, je vais peut-être aller nettoyer la zone, en fait. Et chez d'autres spots. Je sais pas si je vais réussir à le péter avec une armée comme ça. Bon, ça a quand même bien baissé sa vie, mais... Si je fais du coup par coup à chaque fois... Ouais, ça va, là, ça baisse un peu plus. Mais c'est costaud, quand même, hein, contre ce genre de petites unités. Donc, du coup, on va prendre... les plus gros, les plus grosses bestioles, forcément. Garrick. Par contre, ça gêne tout au même endroit. Garrick. And Wedge. Hop. Into you. Putain, c'est... ouais, c'est Keblou de ouf, là, c'est... Into you. Allez, rentrez là-dedans. Alors, ça prend que 1 de pop. Wedge. Par contre, ça, c'est cool. Ça, and c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu ce que je craignais aussi. Donc c'est and parfait. Wedge. And wedge. Into you. Putain, ça fait des bruits chelous quand il parle. Il y aurait des romans. And wedge. Hop. Into you. Voilà. Garrick. Alors ils en sont où? Garrick. Ben voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il reste comme bâtiment? Pas grand chose. Ouais, occupez-vous, allez-y. Détruisez ce qui reste à détruire. Je vais prendre un prêtre quand même. Et puis bah, après, on va remplir avec ce qui reste. Hein. Enfin, faut au moins que le prêtre s'y rentre. Merde. C'est bon, du coup. Alors. Qui est-ce que je jarte? Greek, Tayo. Into you, into you, into you. And where you refer. Hop. Eux, j'ai mis en mode défense aussi. Into you. Voilà. Alors, je vais réenregistrer. Sur le même, je pense. Si je le retrouve. Il va falloir que j'en supprime parce qu'après, c'est un bordel. J'avais pas fait un 12. Bon, je vais enregistrer sur le 11 au pire. Donc là, faut pas que je me loupe, parce que je sais pas s'il va y avoir des grosses défenses ou quoi. Ah, déjà, quand tu vois ça... Garrick. Parce qu'après, pour déposer les bonhommes, c'est un peu la galère. Vas-y, dépose. Et je comprends pas, en fait. Ah, d'accord, s'il y a pas assez de place. Au moins courant, ça serait bien, non? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je lui demande de déposer et... Et après il recule, Garrick. Mais c'est un truc de fou! Je vais me faire péter avec ses commandes. Bon, il le tue ou ça se passe comment? Into you. Putain, il va réussir à me la mettre, c'est comme ça. And wedge. Vas-y, il va casser un peu. Voilà, vas-y. Ah putain, foiré, ils m'ont niqué des trucs. Elle est où mon héroïne là-dedans? Elle est là. Vas-y, balance-les là. Eh, mais c'est un truc de ouf, ça m'énerve ça. Pourquoi il veut pas?
balance, voilà. Putain, et ça, c'est un truc qui me saoule. Ça l'avait déjà fait dans plusieurs vidéos avant. Je sais pas pourquoi ça casse les coups comme ça. Bon, ça va, j'ai pu mes scorpions, par contre, à ce que je vois, ça sent un peu casse-cou. Mais bon, tant pis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois plein de spawns, donc il y a eu plein de morts. Ah bah oui, forcément, avec les bateaux. Il y a eu quelques pertes. Bon, sinon, là, ça va, tout le monde fait son taf. Je vais peut-être faire des unités un petit peu plus stylées, quand même, à force. Ou d'autres bateaux, déjà, parce que j'en avoir besoin. Barge de guerre royale, vas-y, on va faire ça. J'ai plus de population, mais bon, voilà. Hop, donc l'objectif c'est toujours le même. Utilisez votre nouvelle flotte pour permettre. Ouais. Ok, bah on est déjà dans la tôle donc. Greek. Il reste peut-être des mecs encore à tuer. Emito. Greek. Greek. Je crois qu'on peut pas attaquer la prison peut-être en rentrant comme ça. Ah voilà. Are you refer? Ah bah voilà, nickel. Je veux dire, y a un souci quoi. C'est parfait. Alors, Setna, tous les prêtres d'Osiris ont été emprisonnés. Certains ont été abandonnés dans le désert. Mais pourquoi voulait-il tuer Osiris? Vous ne vous en doutez pas. On dirait que vous fuyez et tremblez à ma vue, Cyclope. Vous m'avez vaincu en Grèce. Vous vous êtes échappé des enfers et vous voilà devant moi. Vous n'avez certainement pas fait cela tout seul. Je saurai quel dieu vous soutienne maintenant. Seigneur Poséidon, veille sur tous les habitants d'Atlantide. Seigneur Poséidon ? Vous êtes plus bête que je le pensais. Voyons s'il veille sur vous. Vous aurez moins envie de vous battre après avoir été décapité. Je m'occuperai de vous en temps voulu. Des affaires plus urgentes m'attendent à la pyramide d'Osiris. Et ben on verra ça dans la vidéo suivante. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Allez, à plus !